Nous allons prendre Luc chapitre 6. Dabeba Luca suer ya sita. Et nous lirons le verset 46 jusqu'à 49. Tasoma mustari yake ya makumi ine na sita mpaka mustari ya makumi ine na tisa. C'est par là que nous allons commencer. Je parle de Tanzia. Nous continuons à parler de comment servir. Tulendelea na kusemea namuna kani tutumikia. Amen. Amen. Luc 6, 46 jusqu'à 49. Luca cita, ustariaki a makumi na cita, paka makumi na tisa. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents se jetaient contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent se jetait contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Comment servir Dieu? Il y a un principe fondamental dans ce qu'on doit faire pour Dieu sur la terre. C'est l'obéissance pratique. Amen. Amen. L'obéissance pratique. Celui qui veut servir Dieu est dans l'obligation de pouvoir obéir d'une manière pratique. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer par prendre sa place devant Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu appelle, Dieu donne une place à chaque personne appelée pour que la personne choisie et appelée puisse faire le travail comme il se doit. Ainsi, dans l'obéissance pratique, on commence d'abord par prendre sa place aux yeux de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Moïse, qui avait reçu l'appel de Dieu, mais qui devait travailler avec Aaron. Et après Aaron, il y a eu Bezalel et Oholiab. Et puis Jésus-Christ est arrivé. Et il devait aussi faire le travail, il avait besoin des collaborateurs. Et là, il a choisi 12 apôtres. Chaque apôtre a pu accepter sa place. Il n'y avait aucun apôtre qui a cherché à prendre la place de Christ. Paul est arrivé après Christ. Il avait aussi des collaborateurs. Et parmi ses collaborateurs, nous avons Timothée.
Timothée était aussi resté à sa place pour pouvoir continuer à servir Dieu à côté de Paul. Amen. Amen. Donc dans l'obéissance pratique, la première chose qu'il faudra faire, c'est prendre sa place devant Dieu. Et après cette prise de place, il y a maintenant la recherche de la compréhension de la tâche. Amen. Amen. Tu as été placé par Dieu pour un travail précis quelque part. Maintenant, il est souhaitable de pouvoir chercher à bien comprendre la tâche. Parce qu'on ne peut pas faire très bien ce qu'on a mal compris. Pour pouvoir bien travailler, il faut commencer par bien comprendre. Et c'est pourquoi nous pouvons lire un verset qui se trouve dans Daniel chapitre 8. Et ce verset est bien connu. Parce que nous avons l'habitude de l'utiliser. Daniel 8. De verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Amen. Donc ici, c'est Dieu qui a donné l'ordre. Il donne cet ordre à Gabriel. Gabriel devait donner des explications de la vision à Daniel. Donc, quand l'appelé a déjà découvert et accepté sa place, bien maintenant, il doit chercher à bien comprendre le travail à faire. Amen. Amen. Je me répète, parce que sur la terre, on ne peut pas faire très bien ce qu'on a très mal compris. On va commettre des erreurs et on fera n'importe quoi. Mais si on a bien compris, et le travail sera aussi bien fait. Et quand on a un travail bien fait, ce travail va honorer Dieu. Et la personne qui a honoré Dieu sera aussi honorée par Dieu. Amen. Amen. Alors, après la compréhension de la tâche, il y a maintenant l'organisation de la vie de prière. Amen. Tu as pris ta place. Tu as saisi la signification et l'essence véritable du travail à faire. Maintenant, dans la pratique, il faudra organiser la vie de prière. Et cette vie de prière devra être organisée d'abord d'une manière individuelle. Ensuite, sur le plan collectif. Amen. L'organisation de la vie de prière individuelle et collective. Pourquoi? Parce que dans le travail que l'on doit faire, il faudra enfanter. Amen. C'est-à-dire, on ne sert pas Dieu pour le plaisir de le faire. On ne sert pas Dieu pour calmer sa conscience. On sert Dieu pour faire ce qu'il a demandé. Et quand Dieu demande quelque chose, il y a toujours un résultat en manifestation. Amen. Amen. Donc, le travail de Dieu doit produire. Nous prenons un texte dans Ésaïe, chapitre 37. Ésaïe 37. Nous lisons 1 jusqu'à 3.
Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz. Et ils lui dirent : Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, il n'y a point de force pour l'enfantement. Amen. 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 Point de force pour l'enfantement. Donc, il faut ici que les serviteurs qui acceptaient la place, qui a compris le travail, puissent organiser la vie des prières sur le plan individuel et collectif. Amen. Pour enfanter, pour produire. Parce que si la prière, la vie de prière n'est pas organisée, il n'y aura pas d'enfantement, c'est-à-dire il n'y aura pas de production. C'est-à-dire que les lieux vont se transformer en un simple club d'amis, de gens qui se rencontrent pour se regarder et voir comment on est habillé et causé. Et pourtant, pour le ciel, il faut que le travail puisse produire sur la terre. Amen. Amen. Alors nous allons prendre un exemple d'organisation de la vie de prière dans la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre modèle. Amen. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 26. Et là, nous allons prendre le verset 36 jusqu'à 46. Il est dit ceci dans la Bible. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloignait une seconde fois, priant ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. 46. Lèvez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. 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 Donc vous voyez ici Jésus. On a pas Jésus. Qui avait pris le temps de quitter le sein de son père et se retrouvait sur la terre. Lui qui connaissait le Créateur, qui a vécu dans la gloire de Dieu,
quitte le ciel et se retrouve sur la terre. Et ici-bas, il va commencer à prier. Il pouvait simplement dire, moi, je viens de là, je connais le Père, je n'ai pas besoin de la prière. Il n'a pas dit cela, il n'a pas négligé la prière. Et sur la terre, il a pris le temps d'organiser la prière sur le plan individuel et collectif. Amen. Amen. Alors, dans le texte que nous venons de lire, si nous prenons le verset 36, vous allez voir ce qu'il a fait. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Amen. Donc il se déplace avec les disciples. Mais arrivé sur les lieux appelés Gethsémané, il va organiser la prière. Il va demander à ses disciples de rester et lui va s'éloigner pour aller prier. Amen. Amen. Donc il organise la prière sur le plan individuel et sur le plan collectif. Sur le plan individuel, lui-même s'est éloigné pour prier. Sur le plan collectif, il a laissé les disciples ensemble pour la prière. Amen. 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 Et puis après avoir fait la prière personnelle, il va revenir vers le disciple. Au verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. 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 Vous voyez ici au verset 39, que fait le Seigneur? Il commence par faire quelques pas en avant. C'est-à-dire, il va se distancer, s'éloigner de ses disciples parce qu'il veut faire une prière individuelle. Amen. Amen. Ça, c'est une organisation. Un serviteur de Dieu qui veut avancer dans les choses de Dieu doit apprendre à organiser la vie de prière. Et quand nous parlons de la vie de prière, nous parlons de l'intercession. Il y a des prières qu'on peut faire ensemble, mais il y a aussi des prières que l'on peut faire seul, loin des autres, parce que Jésus nous donne l'exemple. Nous prenons le verset 40 et 41, et il va vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc plus veillé une heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. 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 Vous voyez ici, il revient vers les disciples et il le trouve endormi. Alors il dit non, vous devriez faire l'intercession ne fût-ce que d'une heure. Amen. Amen. Vous devriez rester dans la prière pour soutenir l'œuvre ne fût-ce que pendant une heure. Amen. Mais les disciples étaient endormis. C'est ce qui se passe souvent. Et c'est ce qui freine le ministère. Et c'est ce qui freine les services. Les disciples ne prient jamais seuls quand ils sont laissés seuls. Ils aiment toujours être dans la présence de leurs responsables oubliés. Mais maintenant, si on veut servir Dieu, on doit apprendre à faire la prière, même quand le responsable n'est pas là. Amen. Pour quelqu'un qui a accepté sa place, il doit se consacrer à l'intercession. Que le responsable soit là
là ou qu'il ne soit pas là, c'est lui qui a accepté sa place et qui a accompli son travail, fera l'intercession parce que son problème c'est honorer Dieu. Et quand Dieu est honoré, la personne qui l'a honoré sera aussi honorée. Amen. Toujours dans le même texte, nous prenons le verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Vous voyez, chaque fois Jésus faisait des va-et-vient, il s'éloignait pour prier, il revenait vers le disciple. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il devait prier seul et aider aussi les disciples à pouvoir prier. Il ne priait pas avec eux, mais il était avec eux. Et chaque fois qu'il devait s'adresser à son père, il s'éloignait. Amen. Amen. Au verset 44, il le quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Amen. 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 Donc, Jésus nous donne l'exemple. Et un exemple très riche en information. Parce que nous devons produire. Amen. Amen. Nous devons prier dans l'esprit de production. Parce que si dans les ministères on n'arrive pas à produire, c'est qu'on a échoué. C'est que Dieu n'est pas honoré. C'est que ce qu'on est en train de faire se trouve très très loin de la volonté même de Dieu. Amen. 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 Alors maintenant, la production exige les jeunes, les prières, de retraite des études bibliques, de veiller de prières. Amen. À ce moment-là, si vous avez des gens qui acceptent pour pouvoir se dépenser, le ministère va produire et Dieu sera honoré. Et ceux-là qui ont honoré Dieu seront honorés par Dieu. Amen. 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 Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons le contraire. Nous vivons le contraire. Les gens n'aiment pas l'intercession. Les gens ne veulent pas se dépenser pour les objectifs de Dieu. Les gens recherchent leurs propres intérêts sur la face de la terre. Les gens poursuivent le bonheur terrestre. Les intérêts de Dieu, ce n'est pas leur affaire. Les gens prient pour avoir de l'argent et être à l'aise dans ce monde. Les gens se dépensent sur la terre pour la chair. Ils prient jeune pour la chair. Les gens oublient que la chair de l'homme n'est que poussière. Tout ce qu'on pourra faire pour la chair, tout cela est fait pour la poussière. Parce que la mort, la chair se transforme en poussière. Et tout ce qu'on avait effectué comme dépense pour la chair, tout s'est transformé en poussière. Et il n'y a rien qui pourra dépasser ou traverser la tombe. Amen. Amen. Le tout qu'on avait fait, ça va rester dans la tombe parce que la chair va devenir poussière. Amen. Après l'organisation de la vie de prière, nous sommes toujours dans le comment servir Dieu. Il faudra maintenant dans la prière rechercher la victoire sur la cécité, la surdité et l'ignorance.
Parce qu'un serviteur de Dieu qui ne voit pas, un serviteur de Dieu qui n'entend pas, qui ne voit pas sur le plan spirituel, qui n'entend pas sur le plan spirituel, qui est ignorant, c'est un danger public. Nous lisons dans la Bible. Nous prenons Luc chapitre 6. Au verset 39. Et vous allez voir, Jésus est en train de parler. Il donne une parabole. Et dans cette parabole, Jésus donne une leçon. Luc 6. Et nous prenons le verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Amen. 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 Donc un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Parce que les deux vont se retrouver dans la fosse. Un serviteur de Dieu qui ne voit pas, qui n'entend pas sur le plan spirituel, ne peut pas servir Dieu. Un serviteur de Dieu qui est dominé par l'ignorance ne peut pas servir Dieu. Le fait de voir, le fait d'entendre, amen. Amen. Ça se retrouve dans ce qu'on appelle le don de la grâce. Donc la grâce commune permet à chaque chrétien de pouvoir voir et entendre, de pouvoir discerner. Donc un serviteur de Dieu qui est incapable de voir, incapable d'entendre, ne peut pas servir Dieu. Amen. 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 Romains 8, le verset 14. Vous allez voir pourquoi, pour bien servir, il faut absolument voir et entendre. Et mais il ne faut pas non plus attendre seulement les songes la nuit. Non. Amen. Amen. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. 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 Donc un serviteur de Dieu qui n'a pas de vision, qui ne peut pas entendre, non, il doit arrêter. Il doit prier. Pourquoi? Parce que comme on ne voit pas, comme on n'entend pas, on va se retrouver avec les autres dans une fosse. Dans le service de Dieu, il faudra être dirigé pour diriger. Il faudra être conduit par l'Esprit de Dieu pour conduire les autres. Amen. Amen. Si on n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas diriger. Si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas conduire. Donc il faudra absolument, à côté de tout cela, augmenter aussi la connaissance. Amen. Amen. La connaissance de la parole de Dieu dans la spiritualité. Amen. Amen. Parce que Dieu a commencé le travail avec un peuple sur la terre. Il est passé par la culture de ce peuple. Il est passé par la philosophie de ce peuple. Il a donné sa parole à ce peuple. Il a trouvé ce peuple dans une culture, dans une philosophie. Et Dieu est passé par là. Amen. Amen. Maintenant, un serviteur de Dieu qui s'élève aujourd'hui, il doit tout faire pour augmenter la connaissance de la parole de Dieu dans la spiritualité. Amen. Amen. Pierre donne un conseil. Il dit ceci: à côté de la foi, il faut ajouter la connaissance. Amen. Amen.
Donc un serviteur de Dieu qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne peut pas discerner, doit être éliminé. Parce que c'est un aveugle. Et il va mettre les brebis du Seigneur dans le fossé. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Pour que tous ceux-là qui servent Dieu soient visités par l'Esprit de Dieu. Prions.